Madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir, je ne vous rappelle pas la règle du jeu, nous allons plutôt entrer tout de suite dans le vif du sujet, nous n'avons pas tellement de temps. Aujourd'hui, nous sommes en Nouvelle-Écosse, c'est cette province du Canada située sur l'Atlantique, c'est dans cette région que les Français se sont accrochés longtemps avant d'être chassés par les Anglais. Et nous sommes plus spécialement dans l'île du Cap-Breton, c'est-à-dire sur le golfe du Saint-Laurent. Voilà l'île du Cap-Breton, le golfe du Saint-Laurent. La Nouvelle-Écosse est une région d'eau, de forêt, couverte de forêts et de petits lacs. Madame, monsieur, c'est même plus précisément encore, et c'est important pour vous, dans cette région de Kennington Cove, près de cette plage, que se trouve l'hélicoptère à bord duquel tout à l'heure, Philippe de Dieu le veut, va essayer de vous aider, de trouver avec vous le trésor. L'équipe est entièrement à votre disposition sur place et elle va d'ailleurs tout de suite vous dire quelques mots. Oui, bonjour. En effet, nous sommes ici à vos ordres, donc dans la baie du Kennington, en Nouvelle-Écosse, au bout de l'île du Cap-Breton. Je voudrais tout d'abord vous présenter notre équipe de reportage. Thierry Pouget, notre technicien vidéo. John McDonald, notre pilote. Salut John. Et quant au caméraman, eh bien, les téléspectateurs n'auront certainement pas l'occasion de le voir au cours du jeu. Aussi, je me propose de leur présenter moi-même. Le voici, c'est Thierry Malaterre. Je voudrais maintenant m'adresser aux candidats, car je sais qu'ils ne voient pas les images. Mais je voudrais leur dire que s'ils pouvaient les voir, eh bien, ils sauraient tout de suite que nous sommes prêts ici à répondre à leurs ordres, à toutes leurs demandes, pour découvrir le trésor. Ce trésor, je ne sais pas où il est, je vous en donne ma parole, mais je vous donne aussi ma parole que pendant 45 minutes, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour le découvrir, pour vous faire gagner. Et ce, croyez-moi, avec le sourire, mais aussi pour notre plus grand plaisir. À vous Philippe Gildas, à vous Paris. Alors il ne sait rien, je ne sais rien de ce trésor, vous ne savez rien non plus, pour l'instant aussi les téléspectateurs ne savent rien de vous, alors je vais vous demander d'abord de vous présenter. Alors Martine Rousseau, mère de famille, j'habite à Dreux. À Dreux, c'est-à-dire dans... Dans l'Eure-et-Loire. L'Eure-et-Loire. Mère de famille, combien d'enfants? Deux enfants. Et monsieur? Pierre Rousseau, cadre administratif dans une entreprise à côté de Dreux. Deux enfants. Bah oui, les mêmes. Mieux, ça les mêmes, d'accord. Alors, Martine et Pierre Rousseau. Nous ne savons rien, ça ne va pas durer très longtemps. Je vais vous donner tout de suite le texte de cette énigme que les producteurs ont imaginé, comme toujours. Les producteurs ont imaginé avoir trouvé ce message. Je vais vous le lire. Je vous en donne d'abord peut-être le texte et nous allons le découvrir ensemble. Martine, Pierre, voilà. Merci. Je vais vous demander de bien m'écouter parce que c'est très important pour la suite. Submergé par les habits rouges qui débarquaient, je souquais jusqu'à l'une de nos batteries hors les murs. De là, je pouvais voir au premier plan la maison du garde-magasin. Quelques jours plus tard, c'est à lui que je confiais momentanément le fanion du régiment d'Artois qu'il cachait dans une marmite. Hélas, je n'ai jamais pu le reprendre. Si vous le trouvez, il est à vous. Texte bien mystérieux. C'est une énigme et vous avez raison de dire, signé Destouches. Je vous le relis. Je vous le relis. Submergé par les habits rouges qui débarquaient, je souquais jusqu'à l'une de nos batteries hors les murs. De là, je pouvais voir au premier plan la maison du garde-magasin. Quelques jours plus tard, c'est à lui que je confiais momentanément le fanion du régiment d'Artois qu'il cachait dans une marmite. Hélas, je n'ai jamais pu le reprendre. Si vous le trouvez, il est à vous et c'est signé Destouches. Eh bien, cher candidat, je vous rachète ce fanion pour 30 000 francs français. 30 000 francs français. Autrement dit, si vous le préférez en francs suisses, environ 11 500 francs suisses. Ou bien quelques 205 000 francs belges ou luxembourgeois. Ou bien, puisque nous sommes au Canada, quelques 7 700 dollars canadiens. Bien entendu, à la condition que vous le trouviez avec l'aide de Philippe de Dieu le veut et de son hélicoptère et de toute son équipe. Je vous dis tout de suite,
Martine, Pierre, vous dites tout de suite que la réponse est là, dans une cassette. C'est-à-dire que dans 45 minutes, j'ouvrirai cette cassette si vous n'avez pas trouvé. Philippe de Dieuleveux, vous m'entendez? Je vous écoute, oui. Vous avez votre chronomètre? Absolument. Alors nous allons régler nos chronomètres. Vous le mettez à zéro, c'est fait? Oui, il est à zéro. Alors, à mon top, vous déclenchez votre chronomètre, et à partir de là, nous aurons 45 minutes, malheureusement, pas une seconde de plus. Il y a tout de même quelques 30 000 francs français en jeu. C'est la moindre des choses que nous respections l'horaire. Hein. Alors, attention, top chronomètre. Bon. Alors, on va déjà essayer de trouver submergé par les habits rouges. Rouges qu'il était sur. Et vous décollez, bon. Philippe. Oui, s'il vous plaît, oui. De façon à ce qu'on puisse aller à différents endroits en fonction de ce que l'on va trouver. Oui, en direction peut-être de Vesoul. Bon, submergé par les habits rouges qui débarquaient. Alors, les habits rouges. Qu'est-ce que c'était que cette armée, les habits rouges? Avoue, ce sont les Anglais, si je ne me trompe pas. Oui, peut-être bien. Je ne suis pas sûr. Bon, je souquais jusqu'à l'une de nos batteries hors les murs. De là, je pouvais voir au premier plan la maison du garde-magasin. Oui. Alors, le premier... Quelques jours plus tard, c'est à lui que je confiais momentanément le fanion du régiment d'Artois, qui est caché dans une marmite. Bon, caché dans une marmite, c'est l'endroit où est caché le fanion. Donc pour l'instant, ça ne nous intéresse pas. Le régiment d'Artois, déjà, il faut d'abord savoir. Non, le fanion, c'est la définition du fanion. L'une de nos batteries hors les murs. Bon, est-ce qu'il y a... Vous êtes haut, déjà, l'hélicoptère? Nous avons décollé. Vous avez décollé. Est-ce que... De l'endroit où vous êtes, est-ce qu'il y a un certain nombre, quelques, non pas ruines, ou quelques bâtiments à la Vauban? Si l'on peut, vous avez... Pour l'instant, je longe la côte, je vais donc longer vers le sud-ouest, et je vais donc vous rappeler dès que j'aurai découvert des bâtiments, comme vous dites, à la Vauban. Oui. Mais non, ça c'est vers Louisbourg, les bâtiments à la Vauban. Pierre. Oui. Pierre et Martine. Hein. Oui. On est en train de se... Regardez, vous avez à la fois cette carte. Oui. Nous sommes partis quelque part ici, là, dans cette plage de Kennington Cove. L'hélicoptère est donc au-dessus pour l'instant. Oui. D'accord. Vous avez toute cette documentation. Oui, nous n'avons pas encore regardé. Vous n'avez pas encore regardé. Je pense que vous avez le texte de l'énigme. Oui, alors attendez. Oui. Ils sont au-dessus. Ils vont longer la côte, disent-ils, est ou ouest. Pour l'instant, vous n'avez rien dit. En direction de Louisbourg. L'Atlantique est par ici. Vous avez vu la situation. Et l'Europe est là, tout à fait en face. Il y a Terre-Neuve un peu plus haut. Je vous laisse faire. Oui, on va tâcher de trouver un peu déjà des renseignements. Je pense que c'est du côté de Louisbourg. Il doit y avoir quelque chose dans ce coin-là. Oui, Louisbourg, c'est l'endroit ici où on se situe. Oui, alors attends. On va déjà chercher par là. Alors, voyons voir. Louisbourg, 1713. Non, je devrais lire tout un peu pour... Oui, parce qu'il y a aussi un autre élément. Submergé par les habits rouges qui débarquaient, donc ça signifie que... Il y avait une bataille à ce moment, donc on peut le situer dans le temps. Oui, aussi. En fait, les forces anglaises et après un siège de 50 jours à sa ronde. Oh, attends, le village de Wolfers, une flotte de pêche le plus en Saint-Phare. Non, mais là, j'avoue qu'on cherche un peu dans le... Moi, ce que je voudrais surtout savoir, c'est... Marie pour Philippe de Dieuleveux. Exactement Marie. Ce que c'est que... Attendez, qui sont ces rappeler l'hélicoptère. Philippe nous appelle pour nous dire... Non, pour l'instant, j'ai quitté la côte, je n'ai rien vu. Je survole la forêt. C'est une forêt d'épinettes, de sapins. À perte de vue, je ne vois toujours rien. Je ne m'éloigne pas trop de la côte, puisque vous m'avez demandé d'y rester. Mais pour l'instant, rien de spécial. Vous allez dans quelle direction? Là, je vais... maintenant actuellement vers l'est. Vers l'est, donc vous êtes parti de Kennington. Voilà, et je vais vers l'est. Je survole des marais et des rivières, c'est assez joli d'ailleurs comme paysage. Mais il faudrait d'abord aussi savoir exactement ce que ça veut dire jusqu'à ce que l'une de nos batteries hors les murs. Ça veut dire exactement cette fois. Je souviens jusqu'à l'une de nos... Je vois pas tellement ce que... C'est-à-dire qu'il y avait un bâtiment qui s'y situait en dehors de d'une citadelle. Tu crois que c'est ça? Oui. Oui, oui, donc je pense que c'est ou une île ou enfin quelque chose qui se situe en dehors de d'un bâtiment principal. Oui, d'accord, mais ça. Pourquoi tu dis ça, non? Non, enfin une île tout simplement parce qu'on est au bord de la mer, donc il y aurait une possibilité. Une batterie, une batterie. Qu'est-ce qu'il entend? Nous sommes dans une île. Paris, s'il vous plaît, Philippe Gilda. D'accord. Philippe, l'hélicoptère. Oui. Donc je survolais cette forêt et ces marécages. Je reviens vers la côte et j'aperçois devant moi, disons. Un certain nombre de bâtisses entourées de remparts, donc remparts à la Vauban sûrement. Oui, a priori c'est cela. Je suis au-dessus d'une citadelle, d'un fort. Est-ce que ça vous intéresse?
Et quelle est la citadelle de quel endroit? Ben, je suis donc au-dessus d'une citadelle en bout de côte là. On doit être à Louisbourg. En bout de côte, Philippe, est-ce que cette citadelle est entourée de mer de trois côtés? Absolument, absolument, je suis sur une presqu'île. C'est une presqu'île là. Je vais la survoler. Qu'il se pose à cet endroit, donc de cet endroit. Alors, attention par rapport au magasin. Attention, je pouvais voir au premier plan la maison du garde. Donc c'était pas encore là exactement. Oui, je crois que nous avons l'hélicoptère. Alors oui, je viens de me poser. Je suis donc en dehors des remparts, en dehors de la cité, et j'ai face à moi une maison avec un toit de chaux, si je puis dire, enfin de l'herbe à pousser sur ce toit. Oui, je suis en train d'essayer de trouver quelque chose à propos du régiment d'Artois, parce que ce régiment d'Artois nous situerait peut-être un endroit plus précis, puisque on en a situé un, donc une batterie hors les murs. Bon, on a un élément historique qui est le régiment d'Artois. Puis alors, trouver ça où? Il est exact que si vous pouviez vérifier que le régiment d'Artois a bien quelque chose à voir avec la forteresse de Louisbourg, ça vous rendrait certainement, ça nous rendrait service. On va tâcher de trouver quelque chose. Le problème, c'est de trouver... Je pense quand même qu'on va attendre la réponse de Philippe de Dieuleveux. S'il y a quelqu'un dans ce magasin... Non, pour l'instant, il y a trois portes que j'ai essayé d'ouvrir. Elles sont toutes étroitement fermées. J'hésite à casser Philippe, un carreau. D'où vous êtes? Est-ce qu'il vous est possible de trouver quelqu'un, âme qui vive? Alors, je dois vous avouer que pour l'instant, j'ai survolé donc toute la cité, je n'ai vu personne. C'est une cité complètement morte, avec des bâtiments qui semblent être d'époque, mais la cité est complètement morte. Comme je crois, Philippe, qu'il n'est pas question de dire de terre ou d'hélicoptère ce qui est vraiment magasin, surtout à cette époque que nous n'avons pas encore trop déterminé, mais qui est 18e. En revanche, ce qui est clair, c'est que vous pouvez peut-être nous dire s'il y a réellement d'abord une batterie hors les murs là où vous êtes. Une batterie hors les murs, en dehors des remparts. En dehors des remparts, non, je n'ai pas vu de batterie. D'ici, non. Pour l'instant, vous n'avez pas vu de batterie hors les murs. Donc, à mon sens, il faudrait que vous redécolliez. C'est ce que je compte faire, un autre endroit où il y a à la fois une citadelle à la Vauban et éventuellement une batterie hors les murs. Je crois qu'il n'y a qu'une façon, Pierre, de voir cela, c'est de prendre cette forteresse, de rester le long de la côte et de longer tous ces remparts de là-haut, Philippe, vous nous entendez, pour essayer de trouver une batterie hors les murs. Sur la carte, il y a un point, battery point. Ah bon? Alors écoutez, pendant que vous décollez... Oui, attendez, je rejoins d'abord mon hélicoptère. Le terrain ici est assez marécageux, si bien que ce n'est pas commun. Je pense que les deux Thierry n'ont pas trop de difficultés. Philippe, vous m'entendez quand même? Oui. Alors ne parlez pas, évitez de vous enfoncer trop. Je vous dis pendant ce temps, Philippe souhaiterait que vous quittiez un peu, que vous redécolliez et que vous longiez la côte, que vous rattrapiez la côte un peu plus au nord. À quelques... D'accord. Ma mesure habituelle, c'est-à-dire en gros à quelques 5-6 km au nord, facilement, disons 7 km, vous allez voir un cimetière et à côté un endroit qui s'appelle Battery Point. Oui, alors est-ce qu'à cet endroit il y a une forteresse? Alors, longez si vous voulez, redécollez et longez la côte en direction du nord. Nous faisons peut-être la lumière, on verra. Oui, parce que. Nous redécollons. Quand vous voyez la côte au loin et le fort de Louisbourg, vous avez dans le prolongement deux petites îles avant d'arriver à la côte. Vous prenez la troisième, la plus longue de toutes. Et c'est en même temps, si vous voulez, pour vous, vu de là-haut, c'est la plus au nord. Vous avez votre boussole. C'est la plus au nord et vous vous posez. D'accord. Relisez bien votre message pendant ce temps, parce que le message est quand même capital. Le problème, c'est de trouver Je n'ai pas trouvé d'éléments sur le régiment d'Artois. Bon. Confiez momentanément le régiment d'Artois. Le fanion du régiment d'Artois. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Mais alors, je n'ai pas encore repéré l'île sur laquelle vous voulez que je me trouve. Ah, vous n'avez pas repéré l'île. Il faut la trouver. Hein. J'ai plusieurs. Alors, j'ai derrière moi, si vous voulez, le fort. J'ai la forteresse derrière moi. Oui, mais est-ce que vous êtes bien parti de l'extrême pointe nord-est du fort? Oui, j'y suis. Et donc, je passe une île qui n'est pas la bonne, il y en a une autre qui semble la plus importante. C'est sur celle-là que vous voulez que je me pose. Normalement, de là-haut, vous devez voir 5 îles en tout.
Oui, c'est cela. Vous envoyez 5. J'envoie 5. Bon, là, vous prenez la plus longue, mais malheureusement, oui. Je ne sais pas si c'est marée haute ou marée basse. Donc, je ne sais pas si elle a marée basse la même taille. Mais vous prenez l'île qui a apparemment pour nous la plus grande longueur, qui est la plus étroite mais la plus longue, et qui est en même temps, et ça vous devez pouvoir le voir avec de là-haut, celle qui est la plus au nord de toutes. D'accord, eh bien je crois l'avoir située, je me pose. Attendez, ne vous posez pas n'importe où, posez-vous, mais si possible, assez près de maison, car nous cherchons la maison d'un garde-magasin. Je ne vois pas de maison sur cette île. Pardon ? Je ne vois pas de maison sur cette île. Oui, ben, vous savez ce que ça veut dire. Bon. Donc c'est pas, si. Pas ça. Là. Attention, vous nous avez dit 1745. Oui, 1745. Oui. Qu'est-ce qui prouve qu'aujourd'hui ces maisons sont encore debout? Attendez. Oui, en fait, c'est vrai. Bah oui, alors à ce moment-là, mais vous repérez l'endroit à ce moment-là. Est-ce que vous voulez me relire, pendant qu'il se pose, est-ce que vous voulez me relire le message? Oui, alors... Tu le cachais dans une marmite, Attention, il y a quand même un élément... Oui, la marmite, vous ne la verrez pas de l'hélicoptère. Non, on ne la verra pas. Merci. D'accord. Mais la marmite, c'est un élément que l'on peut retrouver justement avec C'est Lucien Das pour l'hélicoptère. Oui, on vous écoute. Oui, bon, je suis donc au-dessus de l'île dont vous me parliez. J'ai remarqué en effet un mur et je vois maintenant des... ce qui peut être ou ce qui peut avoir été des maisons. Parce que bien sûr, les pierres sont complètement écrouées. Alors je me pose à côté et je vais voir de plus près. C'est intéressant de regarder autour, de chercher dans ces ruines et de voir si, par l'intermédiaire de la poêle à frire qu'il a, s'il n'y a pas un élément métallique qui pourrait contenir. Non, mais non, attention, c'est les ruines d'un bâtiment, nécessairement. Les ruines d'un bâtiment. Non, mais justement, le. On va avoir le plan aussi de la. Non, mais il est posé là. Écoutez, je ne vous ai pas donné le plan. Je peux seulement vous dire que vous disposez d'un texte précis, qui est celui de l'énigme. Et que, peut-être que ce texte vous permet, puisqu'il n'y a pas de maison là... Au premier plan, il voyait au premier plan la maison du garde-magasin. Oui, enfin, attendez. Là, on est... Il voyait au premier plan... Mais de la mer, en fait, puisqu'il souquait. De là, disait-il. Oui. De là. C'est quoi, là ? De là, je souquais juste à une batterie... hors les murs. Bah, c'est un bâtiment qui était hors les murs, donc il pouvait voir quelque chose. Est-ce que vous me permettez d'essayer de résumer, parce que moi j'ai l'avantage de ne pas lire les textes, et je le dis en même temps pour Philippe qui nous écoute 2 secondes. Nous sommes d'accord, ça se passe pendant la guerre entre les Anglais, les Canadiens français et les Anglais, qui apparemment attaquent et submergent. Vous n'avez pas jusqu'ici trouvé la date exacte de cette invasion, c'est peut-être dommage, mais il aurait peut-être fallu que l'un des deux cherche, mais on n'en est pas là pour l'instant. D'un côté, les Anglais attaquent. Lui se sauve. Il se sauve manifestement hors du fort principal. Il rame. Donc il s'éloigne et il va jusqu'à une batterie. On est donc d'accord, il faut chercher une batterie. Philippe, je dis bien une batterie qui se trouve en dehors du fort principal et il ne reste peut-être que les ruines de cette batterie. Quand il arrive à cet endroit-là, nous sommes d'accord aussi, la maison du garde-magasin. Non, quand il arrive à cet endroit-là, de là, il peut voir la maison du garde-magasin. Nous en sommes là. Alors là. Donc, maison détruite, normalement, puisque un traité de l'armée aux Français en 1758, elle retomba aux mains des Britanniques. Deux ans plus tard, elle fut détruite. Afin de quoi vous parlez jamais. Je parle de l'ensemble de la forteresse lors de cette guerre. Donc, normalement, on ne doit pas trouver de bâtiments. Qu'est-ce qui a été détruit? La forteresse. La forteresse complète. Mais tu parles Louisbourg, là tu te trompes, Pierre, on n'est pas à Louisbourg, on est à Battery. Oui, mais enfin, on est tout autour, forteresse de Louisbourg. La forteresse qui se trouvait... Quelle forteresse a été détruite? Forteresse de Louisbourg. L'ensemble de la forteresse. Oui, c'est celle-là, mais là, on te dit... On est dans cette île, Pierre, qui te dit que... Enfin, pour l'instant, vous avez envoyé l'hélicoptère ici. Ici, oui. Batterie ailleurs. Alors, est-ce qu'il a vu quelque chose? On va peut-être lui demander, Pierre. Philippe, est-ce que... Où vous êtes, là? Vous êtes au sol? Redécollez, mettez-vous à la verticale de Battery Island. Il y avait un plan là-dessus. On vous donne des indications dans un instant. Il me semble que j'avais vu un plan de magasin. Oui, et ça doit être un point qui est tout près de là, même s'il n'y a plus de bâtiment, ça ne veut rien dire. Ça peut être une ruine autour. Je regrette beaucoup que vous n'ayez pas retrouvé le régiment d'Artois. Je n'ai rien retrouvé sur le. Oui, mais vous n'avez pas vu tous les livres. Vous avez toute une documentation presque trop. Oui. C'est pour ça qu'on se perd. Submergé par les abeilles rouges qui débarquaient, je souquais juste là. Tiens, regardez celui-là, tu ne l'as pas regardé. Car il y a tellement de batteries, à l'évidence. C'est Louisbourg, moi j'en suis sûr. Philippe, s'il vous plaît, comme nous cherchons une batterie hors les murs, quand vous serez là-haut, au-dessus de Battery Island, essayez de regarder si vous n'avez pas d'autres batteries isolées de là-haut. Sur l'île, mais l'île est toute petite, je crois en avoir fait le tour. Moi, je vais revenir vers Louisbourg.
l'île sur laquelle j'étais est toute petite. Nous ne demandons pas nécessairement cette île-là. De là-haut, quand vous serez au-dessus de cette île, peut-être voyez-vous d'autres batteries isolées hors les murs du fort de Louisbourg. Car nous savons une chose, ça ne peut pas être dans le fort de Louisbourg, c'est en dehors des murs. Ah bon? Non, c'est pas sûr. C'est ce que vous m'avez dit jusqu'ici. Oui, parce que submergé, je souquais jusqu'à l'une de nos batteries, et de là, je pouvais voir au premier plan la maison. Donc, on situe la maison, et je lui confiais, quelques jours plus tard, c'est à lui. Donc, on garde le magasin. J'en suis presque sûre. Bon, Martine vous demande. Allez, ne perdons pas de temps. Mais parce que tu as vu le temps qui nous reste. Moi, je vous dis de redécoller sur la forteresse de Louisbourg. Entendu? Oui, je suis au-dessus de Louisbourg. Il y a rien qui se pose au maximum plus près de la mer, en fait, d'après mon plan. Attention. Attention, je me permets de vous signaler que ça vous fait 10 km. Si vous devez faire tout ça à pied. Attention. Non, enfin, attention. Ruine. Bon, les ruines de la forteresse, faudrait qu'ils se... Pour l'instant, il est au-dessus. Est-ce que vous ne voulez pas profiter de ce formidable belvédère qui est un hélicoptère? Il est au-dessus, peut-être qu'il peut... Exactement. Qu'est-ce qu'on lui demande? Qu'est-ce qu'il voit? Comment se situe cette forteresse actuellement? Est-ce qu'il n'y a pas une petite maison autour de cette forteresse qui a l'air un peu... enfin ancienne, ou même peut-être en ruine? Comment vous voyez la forteresse? Comment elle se présente? Ben là, je suis à l'est de la forteresse. Vous ne voyez pas une maison autour de la forteresse? Vous ne voyez pas une maison qui serait un petit peu isolée? Attention. Oui, je peux m'y porter. Elle est en effet en dehors de la forteresse. Eh bien, vous pouviez vous poser là. Vous posez sur à côté de cette maison, ne serait-ce que pour voir un petit peu... Pour renseigner si c'est bien éventuellement. Comment est-elle? C'est une maison en ruine ou c'est une maison encore en état? Attendez, à la pointe de l'île où j'étais, il y a une maison en ruine. Enfin, je veux dire, il y a un carré de pierre, donc une ruine sûrement. Vous pouvez vous poser là. Là, la maison du magasin. Donc, il s'agirait d'une petite maison. Ben, tu vois, il y a des plans de magasin là. Alors, ce serait près d'un de ces magasins qui sont sur le plan, parce que je ne vois pas... La maison du garde-magasin, c'est sa maison personnelle. Et ce n'est pas le magasin, c'est sa maison personnelle. Ah oui, en plus, c'est la maison. Donc, il s'agirait d'une petite maison autour de la forteresse. Qui se situe à côté de la forteresse, alors qui n'est pas nécessairement détruite d'ailleurs. Cette petite maison, puisqu'elle est en dehors. Or, c'est la forteresse qui a été détruite. Il peut se poser, il reste 29 minutes, pas plus. Si vous voyez cette maison ancienne, là, vous vous posez. Voilà, je suis donc au-dessus de ce qui peut avoir été une maison. Alors, si vous pouvez... Pardon. Oui, là, il y a des murs, je vais me poser. Posez-vous pendant ce temps. Oui. Et puis, si vous voulez regarder un petit peu autour de cette maison, voir s'il y a... Avec votre détecteur, voir si vous avez un objet métallique. Voyez, on va retrouver une marmite d'abord. Oh là, vous prenez tous les risques là, parce qu'il faut vraiment être tombé sur la bonne maison. De toute façon, on n'a plus le choix. Même à 28 minutes. Est-ce que l'on pourrait retrouver le régiment d'Artois? Autrement dit, retrouver les gens de cette époque, c'était quoi? C'était les Acadiens. C'est-à-dire que je confiais momentanément le fanion du régiment d'Artois. C'est pas bon. Bon. Si, c'est un élément, le régiment d'Artois. Le régiment d'Artois, c'est quelle époque, le régiment d'Artois? Attendez, déjà, on va voir autour de la petite maison s'ils trouvent une marmite. La poêle à frire, vous savez, ça vous fait à chaque fois une surface de 25 cm. Oui, mais il va peut-être trouver une marmite. Oui, parce que oui, mais 25 cm à la poêle à frire, ça peut vous demander un temps fou. Alors, régiment d'Artois, dans cette histoire des Canadiens français, si on pouvait localiser un peu plus... C'est pas, on s'oriente mal. Non. Qu'est-ce que ça donne, l'hélicoptère? Il a trouvé quelques... Non, pour l'instant, donc, j'étais au-dessus, Paris. Oui. Vous entendez? Je vais redécoller parce que, ici, je suis au-dessus d'un ensemble de pierres. Mais je ne pense pas du tout que ça corresponde à ce que vous cherchez. C'est vraiment trop détruit et ça ne représente plus grand-chose. Alors, est-ce qu'il y a... Ce ne serait pas le petit point qui est juste à la pointe, à Rochefort? Oui, mais vous savez, vous cherchez... Oui, non, mais écoutez-moi. Laissez-moi vous aider une seconde. Là, nous faisons tous ces lieux qui, en fait, représentent bien des mètres carrés. Donc, à la poêle, vous n'avez... À la poêle à frire, vous n'avez guère de chance, comme ça. À moins d'un miracle. Alors que je pense que si on pouvait retrouver dans cette histoire le rôle qu'a joué le régiment d'Artois, il devait être ce brave Destouche du régiment d'Artois. Il fallait quand même bien qu'il possède le régiment du fanion, le fanion du régiment d'Artois. Donc on doit pouvoir retrouver dans l'histoire. En tout cas, il faudrait pouvoir retrouver un point d'histoire qui nous permette de localiser le régiment dans le temps. Le malheureux, c'est qu'on trouve tout et on ne trouve rien à la fois. Et c'est... On cherchait aussi la maison individuelle du garde-magasin.
Oui, mais ça, c'est après, ça, la guerre de magasin, c'est après. Apparemment, l'île de Dieuleveux n'a pas trouvé de maison en état qui ressemble, mais en fait, moi, qui corresponde. C'était une petite île qui était en face, à moins que ce soit cette petite île-là, à ce moment-là, parce qu'en fait, vous pouvez voir au premier... Pierre a dit tout à l'heure que ce n'était pas nécessairement sur une île, il peut avoir souqué, s'il a pris la mer et être revenu à la côte. C'est ça, Pierre. Oui. Inévitable conflit. Je cherche, j'essaye de trouver un élément qui puisse me... Alors, Philippe, on revient à la première des questions qui étaient posées tout à l'heure dans cette dernière partie de votre recherche sur la côte, là, tout près du fort. Oui. Vous n'avez toujours pas trouvé quelque chose qui puisse être au premier plan la maison du garde-magasin. Non, toujours rien. Et si on décollait pour aller peut-être à ce moment-là sur cette petite île, peut-être que de là, ils voyaient très bien la... Oui. Je pense que c'est autour de la forteresse. C'est une. C'est autour de la forteresse. Mais c'est une maison individuelle. Vous n'avez pas l'histoire des Acadiens? Si. L'histoire des Acadiens. On les a toutes à la fois. On a tout. Ah oui. Non. Beaucoup de livres en anglais. Tout ce qu'il faut. On a l'histoire du Canada. Si. Tu l'as là? Attends. L'histoire du Canada. Voilà, histoire et généalogie des Acadiens. Voilà. Documentation et les Acadiens. Et vous ne voyez toujours rien, Philippe, vous. Là, je me porte actuellement sur une autre presqu'île, pas très loin de la forteresse, pour voir à tout hasard si je trouve quelque chose. En tout cas, pas trop d'affolement. Hein. Il vous reste tout de même encore 24 minutes. 24 minutes. Apparemment, on est vraiment. Je crois qu'il faut rester sous les remparts, là. Hein. Oui. L'histoire des Acadiens. En fait, ce qui est curieux, c'est qu'on n'a rien retrouvé sur le... On a mal cherché, faut croire, parce qu'on n'a rien retrouvé sur le... On cherche tout et rien, là. Vous êtes toujours au-dessus de la forteresse de Louisbourg. Je reviens sur la forteresse de Louisbourg, oui. D'accord. Mais une maison forcément au premier plan. De là, je pouvais voir au premier plan. Plusieurs jours plus tard, c'est à lui que je confiais momentanément le fanion du régiment d'Artois qu'il cachait. Fanion du régiment d'Artois, mais le régiment d'Artois, c'est ça, on a... Oh là 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 là, allez, attends. Non, là, je on est en train de se faire... Le régiment d'Artois. Si on n'a pas de maison qui... Non, on n'a pas trouvé, hein. Les Acadiens. Non, je crois que là, c'est fini, hein. Mais non, ça n'est pas fini, là, c'est plus de la moitié du temps, encore 23 minutes. Philippe, vous êtes où, là? J'arrive au-dessus de la forteresse. Et vous ne voyez toujours pas... Une petite maison qui pourrait se situer un petit peu en dehors de la batterie. Une petite batterie qui serait en dehors des remparts ou de ce qui étaient les remparts au XVIIIe siècle et d'où on verrait immédiatement au premier plan, d'où on verrait d'abord ce qui aurait été la maison d'un garde-magasin. Bah écoutez, là je suis... Est-ce qu'on peut dire que je suis en dehors des remparts? Oui, je suis en dehors des remparts tout juste. Et je vois des petites maisons, mais... Oui, est-ce qu'il y en aurait une qui serait une maison d'époque, une maison de 1760? Oui, éventuellement, c'est possible. Mais non, c'est pas possible. Je pense. Mais je suis vraiment trop près du fort pour que ce soit ça. Je pense que là, on s'est mal orienté, on n'a pas trouvé de traces de l'histoire et j'avoue que je ne la connais pas bien moi-même. Alors... Non, mais... La seule chose que je puisse vous dire de cette forteresse de Louisbourg, autant que je me souvienne moi, c'est qu'elle a été au centre de tous les combats, pratiquement. Oui, c'est d'accord. Pas seulement en 1745, mais pratiquement de... Mais le garde-magasin, de 1650, quand elle a dû être construite, encore que je ne sache pas la date exacte, jusqu'à 1700... La maison du garde-magasin devait être quand même tout près des bâtiments du magasin, en fait, des magasins, je pense, quand même. Oui. Ça paraît évident, hein. Je ne vois pas. Et nous n'avons pas, de toute façon, pour l'instant... Non, mais je... Non, bah alors, on s'est mal embarqué. Hello? Enfin, pour faire un petit give me the synthèse, je souhaitais juste l'une de nos batteries hors les murs. De là, je pouvais voir en premier plan, donc on est bien en dehors de la forteresse. La maison du garde-magasin, La maison du garde-magasin. C'est forcément... C'est le lieu où se situe le fanion du régiment d'Artois. Vous avez vu quelque chose, là?
Des touches. Voir Pignon. Regarde la Pignon. Oui, ça c'est le nom. Marie, vous m'entendez? Alors, des touches, mais c'est vrai qu'on a complètement oublié la signature. Oh là là, on n'a pas pensé à la signature qui était pourtant très importante. Je pense maintenant. Je confirme. Alors, tu m'as dit Pignon? Paris. Ah mais il y avait des touches qui nous auraient donné une indication précieuse. Mais je vois pas Pignon. Oui Philippe. Paris, je ne vous reçois plus. Oui, je vous écoute. Vous en êtes où maintenant? Ah oui, je suis toujours au-dessus de la forteresse. Je n'ai toujours pas vu ce que vous me cherchez. Est-ce qu'il y a, Philippe? Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui comme ville en dessous de vous? Il n'y a plus rien. Il n'y a que des ruines, un fort, quoi. Non, c'est un fort qui semble être reconstruit puisque toutes les maisons sont en état et si j'ai bien compris... Pourquoi est-ce que vous ne descendez pas pour essayer de demander le renseignement s'il y a... Mais il n'y a personne, je veux bien descendre mais je n'ai vu personne, c'est une ville morte. Je vais d'ailleurs descendre... De là-haut, vous ne voyez personne bouger. Personne. J'ai essayé de chercher, j'ai regardé à la fin. C'est vrai qu'on a complètement oublié la signature qui était pourtant très importante. Non. Non plus. Non, ça c'est... Je pense que ça se situe, c'est une maison qui mais est c'est dans une maison le autour de la forteresse Pignon, de Louisbourg, décédé en 1723. Sûr, en dehors des murs. Bon, Nicolas Pugnon, dit des touches, né en 1675, marié à Marie Brunet. Bon, c'est là, qui peut être l'auteur et qui dit quoi? Qui fait qui quoi? Est décédé en 1675, marié Nicolas. Non, mais là, je crois que 1733. C'était certainement une maison autour de la forteresse, mais laquelle? Oui, c'est bien une maison autour de la forteresse. Mais vrai qu'il retrouve. Est-ce qu'il n'y a pas une autre maison que vous verriez de là-haut autour de la forteresse? Philippe, oui, je vous écoute. Il n'y a pas une autre maison qui serait isolée sur la forteresse, éventuellement, pas forcément hors les murs, d'ailleurs, peut-être à l'intérieur des murs. Si. Peut-être à l'intérieur des murs. Près d'une maison, à l'intérieur des murs qui serait une maison un peu isolée, certainement. Ou... D'accord, ben j'y vais. Si vous envoyez une, vous descendez dans la forteresse, alors, à ce moment-là. À mon avis, elle est oui, dans mais la alors forteresse. Descendez là. Je me pose. La batterie était hors les murs et de là, il aurait vu donc une maison. Parce que et devant cette maison, il y a des canons d'ailleurs. C'était une expression. Non, la batterie était hors les murs. Oui. Mais de là, il voyait une maison. Si vous voyez une maison. Et alors, qui serait peut-être. Devant cette maison, il y a des canons. Qui situerait juste à la limite des remparts. Et c'est possible d'ailleurs, parce que quand on regarde les photos, on voit les remparts et les maisons. Est-ce qu'il n'est pas encore posé? Paris. Autrement dit. À l'angle, dans un angle. Je suis posé. Est-ce que vous voyez la maison là, isolée? Est-ce que vous voyez une maison? Oui. Je suis à cette maison isolée. Il y a des canons devant cette maison. Alors, essayez peut-être là, c'est notre dernière chance. Demandez si c'est la maison du garde-magasin. La maison du garde-magasin, oui. Bon, parce que effectivement. Il vous reste 18 minutes. Oui, je vais essayer de rentrer dans cette maison. Pardon. Trouver quelqu'un. Oui, parce que quand on regarde sur cette photo. Philippe, pendant ici, que vous. Regardez. Oui. Pardon. Quand on regarde sur cette photo. J'essaie de rentrer dans la maison, mais toutes les portes sont fermées. Toutes les portes sont fermées. Oui, toutes les portes sont fermées. Est-ce que vous pouvez. Il y en a autour, alors, qui serait. Petite cave. Est-ce que, Philippe, de cette maison, vous apercevez au loin une batterie? Puisqu'il faut est-ce inverser. Est-ce que vous pouvez peut-être la voir? Oui. Est-ce que vous pouvez voir une batterie? Est-ce que c'est une maison qu'on aurait pu voir de la batterie hors les murs jusqu'où ce nommé des touches avait stouqué? Oui. Oh, sûrement. Ah, oui. Vous pouvez à ce moment-là, tant pis, au hasard, faire le tour avec votre poêle. Votre pute, de toute façon, maintenant, c'est trop tard. Tant pis, faites le tour comme ça avec votre détecteur. Oui. Tant pis, maintenant, au point où on en est, on ne peut plus redécoller ailleurs. Est-ce que vous avez, vous, le plan de la ville? On l'a. Oui. Trouvez vite. Cela dit, il vous reste quand même encore 17 minutes. Ça vous donne le temps de faire beaucoup de choses tout de même. C'est ce qu'on avait eu au départ. On s'est trompé parce qu'on cherchait toujours hors, à l'intérieur. On aurait dû chercher à l'intérieur. Oui, il y a plusieurs bâtiments aussi là-dedans. Oui, ce que vous avez là, c'est le bastion, King's Bastion, la batterie royale. Donc, la batterie royale. Alors, est-ce que vous êtes en train de regarder autour des maisons? Oui, je fais le tour, là, je vois l'escalier, je descends. Oui. Vous êtes déjà descendu ou pas? Je suis en bas, je cherche. Vous avez votre détecteur pour trouver éventuellement? Pour voir autour. Elle est très grande, cette maison? Cette maison, oui, est assez grande, mais il n'y a rien. Absolument rien. Il n'y a rien, qu'est-ce que vous appelez il n'y a rien?
Il n'y a rien, sergent, je vois des pièces vides. Oui, mais en dehors de cette... l'intérieur. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est en dehors ou dans la maison. Moi, je pense que c'est à l'intérieur de la maison. À l'intérieur de la maison. Qui cachait dans une marmite. À l'intérieur peut-être de cette maison. Normalement, c'est à l'intérieur de la maison. Vous ne voyez rien à l'intérieur? Non, je ne vois absolument rien. Bon, et dans les maisons qui sont autour? Mais là, je suis ressorti. Et autour? Je soulève un vieux chaudron. Soulève un vieux chaudron. Et à l'intérieur? Non, je n'ai rien vu. Il y a d'autres tonneaux ici, des tonnelles. Oui. D'autres chaudrons? Mais alors, ça correspondrait à une marmite chaudron. Vous êtes sûr qu'il n'y en a pas un qui a quelque chose dedans? Je ressoulève la marmite. Et... Vous avez dépensé les deux tiers de votre temps. Il vous reste encore 15 minutes. Non, je suis désolé. Il n'y a rien sous ce chaudron. Et tout Ni dedans, ni dessous. Ni dedans, ni dessous. Caché dans une marmite. Dans une marmite. Bah écoutez, je vais refaire le tour. Oui. Rapidement pour voir s'il y a d'autres marmites. Oui, regardez encore. Parce que quand même, une marmite, c'est quand même curieux qu'il y en ait une. Mais, Philippe, pourquoi avez-vous choisi cette maison? Elle vous paraît correspondre à une des rares maisons qui puisse être celle du garde-magasin? Parce qu'elle est située en dehors de la forteresse. C'est la seule que je vois en dehors de la forteresse. C'est pour ça que je l'ai prise. Et vu de la mer, vu d'une éventuelle batterie de l'époque, c'est celle qu'on aurait vue au premier plan. Oui. Et alors vous voyez rien du tout à l'intérieur? Rien du tout, du tout? Non. Alors peut-être les autres, les voisines, mais j'ai peur qu'il y en ait beaucoup. Et comment, à quoi elle ressemble cette maison? Cette maison est située à deux parties, une plus petite que l'autre, le toit est vert d'ailleurs, c'est des vieilles pierres, et il y a devant cette maison un certain nombre de canons tournés vers la citadelle. Oui, je ne suis pas certain que ce soit une maison de garde-magasin avec ces canons. Mais moi je vous avais dit que... Non, pense pas. Je n'avais pas dit qu'ils s'arrêtent à l'intérieur, là, avant l'autre côté-là. Non, parce qu'il y en a peut-être d'autres autour. Il y en a d'autres des maisons, hein, mais alors le problème c'est qu'il y en a beaucoup. En fait, c'était celle qui était certainement plus près du magasin sur le plan, hein, en fait. Oui, normalement, oui. Théoriquement, c'était certainement une maison avec un toit blanc ou quelque chose comme ça sur la photo. Oui, parce que là, non, ça c'est une photo de maintenant, hein, je n'y connais pas grand-chose, mais d'après la disposition, qu'est-ce qui pourrait être le magasin? Je pense que ça pourrait être... il y a deux petites maisons blanches au milieu et il devrait y avoir une de ces deux-là qui devrait correspondre. Magasin, il y a magasin d'artillerie, magasin de... Voilà, c'était à côté. Et... soit deux petites maisons blanches qui sont au milieu du plan. Vous les voyez? Avec un toit blanc. Non, je ne l'ai pas vu. Je vais rentrer en hélicoptère alors parce que je ne vois rien d'ici. Ce qui surprend, si vous voulez, c'est qu'un magasin n'était sûrement pas en première ligne. Il fallait donc à la fois une maison, à mon sens, qui soit protégée. Et tout près. Et en même temps, qui soit pourtant visible, au premier plan de l'endroit où se trouvait ce monsieur qui avait stouqué. Visible de la mer. En fait, ce serait une des deux maisons qui sont situées un peu vers le milieu du... Comment expliquer, c'est pas oui, à l'intérieur. Avec un toit entre jaune et blanc. Il faut vous dire, Philippe, que Thierry Martin a sous les yeux maintenant un plan du fort de Louisbourg. Une photo de la forteresse de Louisbourg. Alors, une des deux maisons qui sont sur le milieu. Bon, écoutez, je retourne. Vous cherchez deux petites maisons. Je vais essayer de les trouver. Hein, j'y vais. Alors, vous remontez très vite. Je vais survoler la forteresse. Et je vais chercher deux petites maisons au toit blanc. Un toit blanc, oui, beige. Toit blanc, parce qu'elles, sur cette photo, elles ont le toit. Moi, j'avoue que j'ai pour l'instant du mal à comprendre comment ce soldat, apparemment, ou en tout cas ce Français, submergé par les Anglais, a pu arriver à cette maison du garde-magasin. Oui, ça c'est sûrement une... Oui, mais enfin, je confiais, il a pu le faire, revenir en catimini... Oui, vous n'avez pas peur, parce qu'il dit quelques jours plus tard. Je vais me poser au-dessus de deux petites maisons. Je vais me poser au-dessus de deux petites maisons. Oui. Que je vois. Oui. Alors, et vous rentrez à l'intérieur si vous pouvez. Je rentre à l'intérieur et je cherche. Attendez, pour l'instant, je suis encore à l'extérieur. L'intérieur. Attendez, c'est assez difficile de se poser. Il reste, Philippe, je vous le dis, parce qu'il reste exactement 11h30. Bon, mais je vais essayer de me poser et puis je vais rentrer dans ces maisons. Si ce sont les bonnes maisons, je devrais pouvoir trouver. Alors, je cherche quoi exactement? Dites-moi encore, pour ne pas que je me trompe, qu'est-ce que je cherche? Vous cherchez une marmite. Une marmite. Et dans cette marmite, il doit y avoir le fanion du régiment d'Artois. Parce que l'on cherche, c'est le fanion. D'accord, je vais chercher une marmite. On va essayer de se poser, le pilote a quelques difficultés parce que l'endroit est très très étroit. Oui. Mais voilà, il semble avoir trouvé la place pour se poser.
Alors je vais aller très très vite. Rassurez-vous, on va faire le maximum ici. Regardez bien sur votre plan, il n'y a rien qui indique ce qui puisse être le magasin. Si, on a des magasins. Si vous avez magasin, il faut magasin d'artillerie, magasin de. Il y a les magasins, mais alors je pense que ça doit être une de ces deux maisons-là, parce que vous voyez, il y en a une de ces maisons. B. Ça, c'est le magasin d'artillerie et C. B, le voilà le magasin. Ah, ça, oui, B. Il est marqué B ici sur votre plan. B. Oui. Alors ce serait la maison-là. Il est donc à l'intérieur des murs. Non, pas A. Non, pas A. Hein? Derrière, c'est un magasin, une maison très très longue qui était en. Une maison très longue alors. Donc, ça c'était le magasin. Ça c'était le magasin. Oui. Attention. Le garde magasin. Il y a aussi le magasin de vivre C. C, voilà. Qui est ici. Oui. Je me dis, est-ce que donc, ce serait pas la, la maison du. Philippe. Oui. Alors je n'ai pas trouvé de marmite à l'intérieur de ces deux maisons qui sont pourtant ouvertes. Je vais essayer de faire le tour de ces maisons. Peut-être qu'elles sont à l'extérieur. Oui. Non, c'est dans la maison d'après le texte, non? Confier qu'il cachait dans une. Philippe. Oui. Vous m'entendez, Philippe? Je vous écoute. Nous avons, nous, sur notre plan, deux magasins, un d'artillerie et un autre de vivres. Et nous avons tout à côté de ces deux maisons, de ces deux grands bâtiments énormes où vous n'avez aucune chance, à mon avis, de trouver la marmite. Oui. Hein? C'est deux petites maisons. Deuxièmement, c'était des magasins entre nous. Je vois pas cette petite maison-là par hasard. Alors, ce serait plutôt en dehors de ces deux grands magasins. Une petite il maison. Doit y avoir des petites maisons, et celle que nous cherchons est celle qui serait au premier plan, encore une fois. Celle qu'on verrait avant les magasins. Oui. Celle qui serait entre les magasins et la mer, et la batterie. Je crois que je vais résumer en quelques secondes, parce qu'il nous reste maintenant seulement 9 minutes. C'est un soldat qui s'est éloigné. Oui. Est-ce que la maison dont vous me parlez est à l'entrée, de la forteresse? Elle est dans la forteresse, mais de la mer où elle est. Est-ce qu'elle est juste à l'entrée de la forteresse? Ah, juste à l'entrée, non, elle est plutôt près des magasins. Et habituellement, les magasins, ils sont assez protégés sont à l'intérieur. Oui, ils sont à l'intérieur. La forêt, peut-être qu'il regarde dans. Il n'a pas de plan, lui. Oui, regardez dans la maison, là, où vous êtes, de toute façon. Non, mais Philippe, en même temps que Capir et Martine, je rappelle que nous cherchons quand même une maison qui, peut-être au loin, apparaissait au premier plan. Voilà. C'est-à-dire, vue de la batterie hors les murs, la première maison que l'on voyait était celle du garde-magasin. Elle est située à l'angle. Et c'est là que, quelques jours plus tard, il est allé porter son fanion. Elle est à l'angle. Il me semble que c'est la petite maison qui est à l'angle, là. Alors, une toute petite maison. Oui. Qui serait, mais à la condition qu'elle soit à côté des grands magasins. Bon. Est-ce que vous voyez ce qui peut être les magasins? Dans ce cas-là, oui. Dans ce cas-là, je commence à comprendre et je ne sais pas si nous aurons le temps d'y aller parce qu'en plus, il faut que je remonte le mur. Ah oui. Est-ce que j'ai demandé à l'hélicoptère de venir me prendre parce que tant que je remonte le mur, je ne pourrai pas. Oh là là, c'est ça, c'est cette petite maison-là, je suis sûr maintenant. Philippe, vous êtes à l'intérieur des murs ou à l'extérieur? Je suis à l'intérieur. Enfin, genre, j'ai une muraille devant moi, ici, mais je suis à l'intérieur de la presqu'île, à l'intérieur de la forteresse quand même. Si vous êtes à l'intérieur de la forteresse, les magasins doivent se trouver, eux, très protégés à l'intérieur de la forteresse. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Et à côté de ces magasins, il doit y avoir la maison du garde-magasin. Une petite maison. Et elle ressemble à quelque chose, la petite maison. Elle ressemble, elle a un toit blanc, il me semble, et elle a l'air d'être rouge un petit peu. Une petite maison. Oui. Ça peut être celle-ci, ça peut être celle-là. Ou alors là, Et là. Oui, à Colombage. On dirait qu'il y a à Colombage, vous dites. Un genre à Colombage, mais ça m'étonnerait. Oui, si. Est-ce qu'il y a une maison à Colombage? À Colombage, à Colombage. Attendez, je ressors d'une autre maison. Une maison blanche à Colombage. Au bout. On peut, oui. Attendez, il faut d'abord que je récupère l'hélicoptère qui, lorsque j'ai sauté un mur, l'hélicoptère est en l'air. C'est cette maison-là. Mais essayez de me récupérer. Est-ce qu'il y a une maison à Colombage? Un bout de. Mais si, je te dis. Attendez, l'hélicoptère va d'abord essayer de me récupérer. Oui, Philippe, on vous écoute. Est-ce que vous voyez une maison à Colombage de l'hélicoptère? Attendez, non, pour l'instant, je suis encore au sol. Oui, d'accord. Mais l'hélicoptère ne semble pas vouloir me prendre. Mais d'où vous êtes, Philippe? Si vous êtes à l'intérieur des murs, je suis à l'intérieur, vous ne devez pas être très loin des magasins, des grands bâtiments qui étaient les magasins. Oui, non, mais justement, je m'y porte en courant pour l'instant, mais je ne sais pas si je vais arriver à l'instant. Mais est-ce que vous voyez une maison à Colombage? À Colombage, une maison à Colombage, qui soit vers le bout. Oui, je vais m'y porter. Vous la voyez, la maison à Colombage?
plus que 6 minutes. 6. Oui, mais il y a une autre maison qui s'appelle la maison des Touches. Oui, mais après, oui. Ça fait rien. Mais la c'est signé. Oui, c'est signé, c'est pas lui qui a c'est signé des Touches, mais ça n'est donc pas sa maison. Oui, enfin, ça se situe bien. C'est, en fait, ça doit être cette maison-là, parce que je ne vois pas autrement, parce que cette toute petite maison m'a l'air quand même un peu petite pour une maison de la guerre de. La maison à colombage qui est à l'extrême, à l'extrême bout de la batterie, en fait, c'est ça hein. Oui. Et est-ce cette pas... maison, comment on la situe ici? Ça y est, maintenant il a dû la repérer. Une maison à... Mais il y en a une autre, attention là. Oui, non, mais on peut les. Philippe, peut les dites-nous voir, où vous en êtes. Qu'est-ce que vous voyez en dessous de vous que nous voyons si nous avons le même je plan? Je vois un ensemble de maisons. Un ensemble de maisons près d'une porte qui donne sur l'eau. Donc un port, si vous voulez. Est-ce que vous voyez non, ce... Oui, si, vous avez le port qui est ici. Oui, si. Et quand vous revenez à l'intérieur de ce port. Vous voyez les saillants Vauban? Les saillants Vauban. Les murailles typiques de Vauban. À l'intérieur. À l'intérieur, il y a une maison à colombage. Oui. Voilà, c'est une maison à colombage qui est au bord de la mer, en fait. Vous voulez ce nouveau plan qui est le. Oui, oui. Une maison qui est au bord de la mer, il y a un espèce de décrochement de la route avec un genre de parking sur le bord. Et alors, non, ne descendez pas si vous ne le voyez pas. Je vois la maison à colombage. Eh bien, vous descendez dessus, elle est entourée d'un mur. Enfin, je veux dire, elle est cerclée. Oui, je vois, c'est entourée d'une. Alors, c'est dans cette maison qu'il faut aller. C'est entourée d'une palissade. Oui. Voilà, il y a une espèce de palissade. Et à côté, vous devez avoir un espèce de cercle. Ça y est, je vois à côté un cercle, en effet. Voilà, alors c'est dans cette maison. Eh bien, je vais descendre. J'y vais tout de suite. Oui, si. D'accord. Alors, en fait, c'est voilà, ça. Voilà, cette forteresse de Louise Bourg. Ah, bon, oui. Alors, c'est où cette mais où si, cette c'est ça. Mais il y a longtemps que je le dis que c'est magasins. Ça. D'ailleurs, au départ, moi, j'étais partie sur cette idée-là. Oui. J'étais toujours partie sur les magasins du départ de la forteresse. Seulement, après, on s'est égaré, parce qu'en fait, c'est ça. Alors, est-ce qu'il est descendu pas encore? Si, il est parti. Est-ce que... Relisez votre énigme pendant ce temps. Comment alors, ça passe? Submergé par les habits rouges qui débarquaient... Je souquais jusqu'à l'une de nos batteries hors les murs, donc c'est bien... Oui, et quand on regarde sur... C'est bien cette petite maison. Continuez. Alors, de là, je pouvais voir au premier plan la maison du garde-magasin. Et telle qu'elle est située, la maison, c'est celle que l'on voit de la mer? Oui, en fait, on la voit de la mer, bien sûr qu'on la voit de la mer, sans problème. Mais... C'est celle qu'on voit au premier plan de la mer, parce que c'est ça qui nous Paris, faut. Paris, oui. Je suis arrivé dans cette maison, j'ai soulevé une marmite, il y avait une marmite, et je vois un papier à l'intérieur que je roulais tout de suite pour des Touches. Les Anglais fouillent ma maison, je vais essayer de cacher le fanion dehors dans une barrique que je marquerai d'une croix. Donc je file tout de suite dehors, chercher une barrique marquée d'une croix. Alors cherchez vite parce qu'il vous reste 3 minutes. Mais déplacez un petit peu à l'extérieur. Ah, maintenant c'est... Si, c'est bon, ça, la maison à colombage, tu vois... Oui, c'est bon, mais... Il y a des barriques à côté de j'en ai vu une, mais elle n'était pas marquée d'une croix. Oui, dépêchez-vous, parce que... Faites le tour. Oui. Je vais faire le tour de cette maison. Là non plus, j'ai vu par contre plusieurs barriques. Qu'est-ce que disait le texte exactement? Le texte, je vous relis, pour des Touches. Les Anglais fouillent ma maison. Je vais essayer de cacher le fanion dehors dans une barrique que je marquerai d'une croix. Dehors. Oui, je suis dehors. Je vois un amas de... Enfin, plusieurs barriques. Alors, une qui est marquée d'une croix. Je vais chercher celle qui est marquée d'une croix. Il vous reste 2 minutes. Ah, il l'a trouvé, là. Je vous ai dit que c'était la maison à colombage. Depuis le départ, j'étais bien partie, moi, sur les magasins. Parce qu'en fait, on s'est appris... Oui. Alors, attends. Est-ce qu'il va trouver? Là oui, il va la trouver. Je cherche toujours celle qui est marquée d'une croix. Oui. Et alors? Oui. Vite. Je ne vois pas la barrique marquée d'une croix. Mais je ne suis peut-être pas sur la bonne barrique. Vous allez malheureusement entendre le gong retentir, dépêchez-vous. Oh oui, vite. Dans moins d'une minute. Je vois d'autres barriques là près du port. Alors vite. Oui, si vous voulez aller voir. Je les fais toutes. Vite. Je ne vois pas marqué d'une croix, je continue. Je rentre dans la ville. Il
était déjà là quand même, mercredi soir. Je remonte une rue. Je cherche, il y a des barriques partout. Et celle qui a une croix, je ne la trouve pas encore. Oh, il va la trouver. On va y arriver, vous inquiétez pas. Oui, mais il vous reste quelques secondes maintenant. Oui, c'est bien, c'est que je pensais qu'il était dans le mari. C'est un baril qui attend, une marmite qui attendait depuis... Allô, j'ai soulevé une barrique. Oui. Je n'ai même pas vu de croix. J'ai soulevé une barrique, j'ai un drapeau. Je plonge dedans, le voilà. J'ai un drapeau. Ça y est, mais il n'y avait pas vu de croix, je n'ai pas vu de croix ici. J'ai soulevé un passant d'un geste machinal comme ceci. Une barrique, enfin le couvercle. J'ai un drapeau, donc si c'est pas celui-là, eh bien tant pis. Écoutez, le passé à quelques secondes, vous allez d'ailleurs entendre incessamment, vous allez comprendre à quel point la France... Voilà. C'est vous dire si... Et comment est ce drapeau? La chance... Vous pouvez nous le décrire? Oui. Philippe, est-ce que vous reprenez votre souffle? Alors, expliquez-nous un peu à nous qui ne voyons pas. À partir de cette maison, il a fallu reprendre la rue de la ville. J'ai longé le port, si vous voulez, jusqu'à une porte dont je ne connais pas le nom, mais qui donne face à la mer. J'ai cherché un certain nombre de barriques. Mais regarde. Et j'ai remonté une rue principale. J'ai remonté une rue principale jusqu'à trouver une barrique dans laquelle pouvait... Ça y est. Je n'avais pas vu la croix, mais je vais la voir. Je vais pouvoir vous la montrer. Merci. Mais vraiment, je peux vous assurer que je ne savais pas du tout où elle était, et que c'est vraiment d'un geste machinal que j'ai soulevé le couvercle. Voilà la croix. Oui, Philippe, je dois dire que... tant mieux, dit Martine, et la raison, parce que je croyais bien moi qu'on ne s'en sortirait pas et qu'on ne trouverait pas. Je dois vous avouer que... On a une photo là ici qui représente de nombreuses barriques. Il fallait chercher, merci. Voilà. Mais en fait, moi j'étais bien partie au départ et en fait, c'est toi qui m'as induit en erreur. Enfin, vous me direz qu'on n'a pas tout expliqué, mais enfin on a trouvé le... Oui, mais je crois que quand vous dites induit en erreur, Pierre a juste dit, t'as d'abord cherché la batterie hors les murs. Mais moi j'ai cherché les magasins et je les ai vus les magasins et je pensais que c'était forcément quelque chose. La maison devait être tout près des magasins, ça ne pouvait être que ça. Écoutez, il l'a trouvé. Nous allons tout de même maintenant chercher l'explication complète, puisque je vous avais dit que la réponse était là. Tout en vous disant bravo, nous allons chercher l'explication exacte. On va essayer de comprendre maintenant comment ça s'est passé, ce qui explique cette énigme. Louisbourg, donc, où nous avons passé notre soirée. Assiégé une première fois en 1745, Louisbourg va tomber aux mains des Anglais. Mais 3 ans plus tard, c'est-à-dire en 48, le traité d'Aix-la-Chapelle rend Louisbourg à la France. Louisbourg, d'ailleurs, comme on disait. Le deuxième siège va commencer le 9 juin 1758 par le débarquement des Anglais, tout près de là, dans la baie de Gabarus. 10 jours après, ayant neutralisé la batterie de l'île de l'Entrée, à mon avis, c'est la batterie où nous étions tout à l'heure, l'île de l'Entrée. Il passe à l'attaque et bombarde la forteresse systématiquement, il sème la mort et la désolation. Analysant la situation, le gouverneur français convoque le conseil de guerre et on décide la capitulation. Le drapeau blanc est hissé, un émissaire porte aux Anglais une lettre du gouverneur, l'ennemi refuse les propositions qu'elle contient et exige que la garnison se constitue prisonnière. Afin d'épargner aux habitants de nouvelles épreuves, la capitulation est signée le 27 juillet 1758, les troupes anglaises entrent dans Louisbourg. La ville est désormais anglaise, mais craignant qu'elle puisse, comme elle l'a déjà été par le passé, être une nouvelle fois rendue aux Français, William Pitt donne l'ordre en 1760 de détruire entièrement la forteresse. Et bizarrement, c'est John Byron, le grand-père du poète, qui est chargé de la destruction. Et début novembre 1758, il ne reste plus rien de Louisbourg. Ça, c'est l'histoire, c'est le contexte historique. Maintenant, venons-en à notre énigme pour bien comprendre. Submergé par les habits rouges qui débarquaient, on a vu que les Anglais ont débarqué tout près de là, à Lens, de la Cambrandière. Donc, Destouches, c'est bien un soldat du régiment d'Artois qui, à cet endroit-là, subit l'assaut. Je souquais jusqu'à l'une de nos batteries hors les murs. Il y a plusieurs batteries, on l'a vu d'ailleurs, d'hélicoptères hors les murs à Louisbourg. Et de là, je pouvais voir au premier plan la maison du garde-magasin. Comme il n'y avait pas de garde-magasin dans les batteries, et c'est peut-être là où nous avons perdu du temps, il s'agissait peut-être du garde-magasin de la forteresse. Effectivement, quand on voyait de là-haut et à chaque fois qu'il s'est posé, on ne voyait rien. Aucune maison de garde-magasin. Alors, effectivement, de l'une de ces batteries, la batterie royale, on voit au premier plan, dépassant les murailles de la forteresse, et vous l'avez vu tout à fait à la fin sur le plan, on voit la maison du garde-magasin. Autrement dit, c'était à la batterie royale que se trouvait la première fois notre homme.
Et ça, je dois dire que c'est là où nous nous sommes totalement perdus tout à l'heure. Bien parti sur le magasin. Maintenant, quelques jours plus tard, et vous vous souvenez qu'on a découvert ce mot beaucoup trop tard dans notre soirée, quelques jours plus tard, c'est donc au garde-magasin qu'il est venu confier momentanément le fanion du régiment d'Artois, que celui-ci cachait dans une marmite. Dans la marmite, nous avons trouvé le texte suivant. Les Anglais fouillent ma maison, je vais essayer de cacher le fanion dehors, dans une barrique que je marquerai d'une croix. Et je reviens sur quelques jours plus tard. Je crois que notre erreur, mais je le découvre en même temps que vous, c'est que c'est je souquais. Et on a pensé que tout se passait dans l'instant qui suivait sa promenade en mer. Alors que c'est quelques jours plus tard, et non pas quand il était. On a oublié le quelques jours plus tard. Il a donc vu la maison de l'endroit où il souquait, de la fameuse batterie. Mais c'est quelques jours plus tard que revenu dans la ville... C'est quelques jours plus tard, on n'a pas fait assez attention à cette petite phrase et on a perdu du temps. L'explication, c'est que craignant d'être arrêté, et pour que des touches puissent le récupérer, eh bien, il a glissé dans la marmite un parchemin écrit en français. Et écrit en français, nous l'avons vu là, parce que comme ça, incompréhensible des Anglais, s'ils avaient trouvé. Je vous dis quand même bravo, je crois qu'on a eu beaucoup de chance. Très sincèrement, on a eu beaucoup de chance, non seulement pour le nombre de secondes, mais parce que vraiment nous nous étions perdus. Oui, on s'était égarés. Madame, je vous rends justice, vous êtes revenue. Sur les colombages. Presque par miracle, sur les colombages, Et ce sont les colombages qui nous ont sauvés, je crois, parce qu'autrement... Vous connaissiez notre contrat. Oui. 30 000 francs français qui sont à vous. Je vous dis bravo, d'autant plus bravo que nous avons vraiment beaucoup souffert ce soir. Et nous nous retrouvons très bientôt pour une nouvelle chasse au trésor avec notre hélicoptère.